Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un top 10 des jeux annoncés pendant le 3. J'avais envie de vous faire une vidéo comme ça pour vous présenter un petit peu les jeux que j'attendais dans l'année qui arrive. C'est vraiment un top 10 par rapport à mes impressions, par rapport à ce que j'ai envie de voir, et pas du tout par rapport à la qualité du jeu et tout ça. C'est parti, on se lance. En 10ème position, nous avons Call of Duty World War 2. Un jeu que j'ai très envie de voir parce que je suis pas mal engagé dans la licence Call of Duty. J'aime beaucoup ces jeux, même si les derniers m'ont posé pas mal de soucis par rapport à leur gameplay et comment ça marche. J'espère revenir un petit peu aux sources avec Call of Duty World War 2. J'espère vraiment voir quelque chose de nouveau. Et voilà, regardons le trailer ensemble, c'est parti. Tell them what we're all about. No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. En 9ème position, nous avons Far Cry 5. Écoutez, je suis pas un très grand fan de la série, mais celui-ci m'inspire pas mal, surtout le trailer, j'ai envie d'en voir plus. Le trailer m'a pas mal inspiré, j'espère en fait qu'ils ont un petit peu changé le modèle des autres Far Cry. Par rapport aux autres Far Cry, j'espère qu'ils ont un petit peu innové. On va voir ça, j'espère que ça sera bien, je vous lance le trailer, c'est parti. En 8ème, nous avons A Way Out, développé par Electronic Arts. C'est un jeu en coopération locale ou multijoueur, enfin en ligne, où on va devoir s'échapper d'une prison, donc je pense que l'idée peut être pas mal cool. J'espère que le gameplay sera aussi bien que ce qu'on imagine. On lance le trailer pour voir ce que ça donne, c'est parti. Sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. It's pitch black. We need a light. Screw it. I'll go first. Oh, crap! You okay? You have a problem? Yeah, I got a problem with you. I love you, buddy. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. See? Problem solved. Come on, Leo! En 7ème position, Beyond Good and Evil 2 de chez Ubisoft. Et oui, ça fait 15 ans qu'on attend la suite de ce jeu. Je ne pouvais pas passer à côté. Il était obligatoirement dans ce top 10. Je l'ai mis qu'en 7ème parce que c'est pas une très grosse attente pour moi. C'est pas le jeu que j'attends le plus. Mais franchement, ça fait plaisir. C'est parti, trailer. About bloody time. Let's see what we've got. Moksha. Just as young.
Yama described it. True freedom lies beyond. En sixième position, Project Cars 2, oui, je sais, un jeu de voiture. Écoutez, j'étais extrêmement fan du premier, je le trouvais tellement fou, je pensais même pas qu'ils allaient faire un 2, et au final, si, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que le premier était tellement dingue, s'ils en font un 2 mieux, j'ai vraiment hâte de conduire ça. Trailer. Ok, cinquième position, Skull and Bones, Ubisoft, un jeu de piraterie. J'avais beaucoup aimé le système de pirates et de bateaux dans Assassin's Creed Black Flag, et apparemment c'est à peu près le même système en mieux. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, j'ai vraiment hâte de voir, de pouvoir y jouer. On lance le trailer. En quatrième position, The Crew 2 de chez Ubisoft. Écoutez, j'avais vraiment hâte de voir le trailer de The Crew 2. J'ai vraiment séché le premier, donc j'avais vraiment envie d'un 2. Et ils l'ont fait, et apparemment ça va être méga hyper cool. On regarde le trailer qui est sympa aussi. I
racing career dominate off-road racing on his way to the top. Champions worth around it brilliantly. Now that's the skill that wins no matter what the engine, no matter what the track. He is this season's undisputed motorsports champion, coming out of nowhere to rise to the top. En troisième position, Assassin's Creed Origins. Et oui, je ne pouvais pas manquer cette licence qui me plaît depuis tant d'années. Et apparemment, ils ont vraiment fait un effort sur celui-ci. Ils ont essayé de retravailler le gameplay et tout ça. Donc je pense qu'il va être énormissime. J'espère que ça vous plaît. On regarde le trailer. We are the first. The first to see the gods. The first to tame their beasts. The first to guard the soul from evil. We conquered this land and built an empire. But there are whispers on the wind. A brotherhood born in the shadows. They are the first to call themselves the Assassins. Available October 27th. En deuxième position, je sais, il n'a pas vraiment été annoncé pendant l'E3, mais c'est un jeu qui m'a tellement plu, ils en ont reparlé un petit peu pendant l'E3, donc il fait partie de ce classement The Last of Us 2, la suite que j'attendais depuis tant d'années. Vraiment, je suis très heureux que ce jeu sorte, j'ai très hâte d'y jouer. Trailer. Valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I'm blind.
Because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right because I'm wrong. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find, and I'm gonna kill every last one of them. Et voici notre première position de ce classement Life is Strange Before the Storm. Donc, un préquel de Life is Strange. Donc, ça serait avant que Max retrouve Chloé. Ça serait l'histoire de Chloé et de Rachel. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça m'enjaille tellement. Il sort le 31 août 2017. On fera ça en live, je vous le promets. On regarde le trailer tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, j'espère que ce petit top 10 vous aura plu. C'est un top 10 des jeux, comme je l'ai dit, que j'ai envie de voir. C'est pas du tout objectif, c'est par rapport à mon avis, à mes envies. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'était le cas. Lâchez un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao tout le monde!